Bonjour, bienvenue. Je suis Stéphane et je vais vous parler aujourd'hui de SwiftUI, le nouveau framework proposé par Apple pour le développement d'applications iOS. Donc le framework qui promet beaucoup de nouveautés et de facilités dans le développement d'applications iOS, notamment avec le live rendering et beaucoup plus de facilité dans l'écriture du code. Bon, le framework va évoluer en parallèle avec UIKit, qui est le framework traditionnel pour développer les interfaces Apple, iOS, macOS. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de comparer une application avec UIKit et avec SwiftUI. Donc, on va faire une même application, on va essayer de voir les différences et est-ce que c'est beaucoup plus rapide d'utiliser SwiftUI ou est-ce que ça équivaut à UIKit. Donc on va voir ça en vidéo sans plus tarder, c'est parti. Donc je vous invite donc à ouvrir Xcode et à sélectionner Single View Application. Donc on va appeler ce projet Live Rendering. En gros, l'idée ici, c'est de comparer le live rendering de UIKit, qui est le projet qu'on va créer actuellement, et de SwiftUI, qui est le nouveau framework d'Apple. Donc, rassurez-vous bien que la case Use SwiftUI est décochée et que le langage de programmation, c'est Swift. Donc là, on va utiliser UIKit. Par contre, il faudra vous assurer d'avoir installé Xcode 11. Et macOS Catalina. Donc macOS Catalina et Xcode 11. Ensuite, next. Donc le projet, je vais l'enregistrer sur le desktop. Ok. Great. Enfin, c'est pas très important l'endroit où c'est enregistré. Il faut juste que ce soit enregistré sur votre ordinateur. Ok, là on voit que désormais on a iOS, iPad, iPhone, iPad, Mac. Donc on peut cocher une des cases ou décocher pour ajouter un device. C'est compatible par défaut iPhone et iPad et on pourrait même rajouter Mac. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. On va aller dans le main.storyboard. Donc on voit comme d'habitude on a notre vue par défaut. Donc on va créer un nouveau fichier, commande n pour créer un nouveau fichier cocotouch class. On va appeler custom ou bien circle view. En gros, ce sera un cercle. Donc, on peut même appeler circle image view et qui va hériter de UI view. Donc, next. Et create. Là, on a notre fichier circle image view. On a notre classe circle image view qui hérite bien de UI view. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'assistant éditeur. Donc on va ouvrir non, c'est pas ça exactement qu'on veut. Oui, donc on va ouvrir notre main.storyboard côte à côte avec notre vue, avec notre fichier de classe. On va rajouter une view donc pour ouvrir cette vue qui permet de sélectionner un élément, c'est Command Shift L. Je vais sélectionner ma vue. Alors, il s'est passé quelque chose. Donc, commande Shift L, je vais sélectionner ma vue que je vais rajouter. Ok.
Je vais bien positionner mes éléments. Donc ma vue, je vais changer sa taille avec, avec la size inspector sélectionnée. Donc je vais prendre 300 par 300. Ensuite, je vais lui mettre quelques contraintes. Donc je vais maintenir Shift. Je vais sélectionner Center Horizontal in Save Area et Center Vertically in Save Area. Ensuite, je vais contrôle, clic, drag à l'intérieur de la vue. Je vais Shift sélectionner Width and Height. Donc, ça aura 300 par 300. OK. Donc là, on a positionné notre vue. Ensuite, je vais dire que la classe rattachée à cette vue, c'est Circle Image View. Donc là, on est bon. Donc, on va voir que on va voir notre live rendering qui va s'afficher juste à côté. Donc pour que notre classe puisse être rendue en direct, donc qu'on puisse avoir le live rendering, on va rajouter une propriété à notre classe qui sera IB design designable. Ensuite on peut enlever tous ces commentaires. Donc notre classe est IB designable. On va commencer par créer quelques propriétés pour notre classe. Donc, on va créer un background. Background layer qui sera un CA shape layer. Ensuite, on va créer une variable de type IB inspect. Table. Donc IB inspectable qui sera notre background layer color. Background layer color qui sera UI color. Donc, ce ne sera pas overwrite, ce sera juste une variable UIColor qui aura par défaut UIColor dark gray. Ensuite, donc, on va créer une fonction qu'on va appeler update layer properties. Donc cette fonction va être appelée à chaque fois qu'on va vouloir mettre à jour notre vue, on va appeler la fonction update layer properties. Donc on va écouter notre variable avec dit set. Donc lorsque la variable va être setée, on va vouloir faire un update layer properties. OK. Ensuite, on va rajouter un background. Background image layer qui sera un CA shape layer. Non, ce sera juste un CA layer. Pour notre image en fait. Donc background image layer, ça va être notre image, vous allez voir tout à l'heure. Donc IB inspectable va, donc on aura notre background image, background image qui sera de type UI image. UI image, et comme c'est inspectable, donc chaque fois qu'on va modifier la variable, on va écouter et on va faire un update layer properties. Donc là on est bon pour le moment. Ensuite on va créer une autre fonction
qu'on va appeler Create Image Circle. Donc pour l'instant, il n'y aura rien dans la fonction Create Image Circle. On va overrider la fonction Layout Subview. Donc on va faire un super point layout subview et on va appeler notre fonction create image circle. Donc vous voyez là que cette fonction en fait layout subview, c'est la fonction qui va être appelée automatiquement pour rendre notre vue à chaque fois, donc pour mettre à jour les layouts de notre vue. En fait, c'est avec un S majuscule. C'est ça, c'est pour ça que j'ai eu un warning. Donc là, on va créer une fonction qu'on va appeler layout background layer. Donc notre fonction layout background layer va nous servir pour créer notre background, en fait le background de notre vue, donc le fond de notre vue si vous voulez. Donc on va vérifier si le background layer est égal à nul, ça veut dire qu'on n'a pas encore fait vu qu'on veut créer un seul background pour notre vue. Si c'est pas le cas, dans ce cas on va faire un background layer est égal à CA shape layer. Ensuite, on va faire un layer.add sublayer. On va rajouter donc notre background layer comme sous-layer de notre layer. Du coup, ça fait que notre background layer, ce sera ça qui sera visible, qui sera par-dessus. Donc, une fois que c'est fait, on va créer un rectangle qui va être bound. Donc bound ici, ça représente les dimensions internes de notre rectangle bound. Donc si vous voulez, quand on dit quand bound, c'est un CG rect qui part, son origine c'est ici 0 0, et ça prend exactement les mêmes dimensions, contrairement aux frames qui ont également les mêmes dimensions, mais l'origine est donc à x décalé et à y, donc l'origine n'est pas la même, c'est pas à 0 0, c'est par rapport à la vue qui la contient. Ok, ensuite on va créer notre path, donc on va créer un UI bezier path, donc qui sera un oval in rectangle. Étant donné que notre rectangle, enfin, c'est en fait un carré, parce qu'on avait défini notre vue comme qui faisait 300 par 300. Donc on aura un cercle. Notre bezier path va dessiner en fait un cercle. Donc ensuite on va faire background layer. On va lui définir comme path notre path qu'on vient de créer, donc notre bezier path et CG path, puisque ça prend un CG path. Ensuite on va faire background layer point fill color qui va être donc notre background layer color point CG color. Ensuite background layer point line width qui va être égal à, donc on va créer une variable line width, donc var line width qui va être égal à 1. Donc on va quand même définir ça comme un CG float, puisque ici on travaille avec des CG float. Donc ici ça prend 1, donc line width. Ok, ensuite on va faire background layer point frame, donc les frames de notre background layer va être égal au même frame que notre
layer. Donc, vous voyez que notre background layer, en fait, aura les mêmes frais, aura les mêmes, aura la même dimension que notre vue, excepté que son x, enfin ses coordonnées x seront de 0, 0, contrairement à notre vue, dont les coordonnées sont en fonction de la vue qui la contient, donc d'une certaine valeur. Ok. Ensuite, on va appeler notre fonction layout background color, layout background. Et là, hop, on a notre live rendering qui s'affiche. Vous voyez qu'on a bien un cercle de couleur dark gray. Oui, bon, background color, la couleur par défaut, c'est bien dark gray. On peut changer cette couleur juste dans les propriétés ici, en sélectionnant notre vue. Donc on voit que désormais toutes les propriétés qu'on a marquées IB inspectable, notamment notre background layer color, on peut la voir apparaître ici. Donc on peut choisir une autre couleur et on voit qu'automatiquement notre cercle passe en vert et on peut choisir n'importe quelle autre couleur. Sinon on peut prendre la couleur par défaut qui est notre couleur dark gray. Ok. Donc, on va rajouter notre image. Donc, on va créer une nouvelle fonction pour ajouter notre image qu'on va appeler layout background image. Image layer. Puisque ici, c'est un layer qu'on va rajouter. Donc on va faire la même vérification. Donc on va faire if background image layer égale à nul. Ça veut dire qu'on n'a pas encore créé notre image et on va le faire. Donc on va faire let image mask est égal à CA shape layer. Donc, étant donné que notre image en fait est un cercle, est un carré et qui va être en fait un cercle, pour qu'on puisse avoir un cercle, il faut qu'on ait un shape layer. Donc, le shape, ce sera en fait la forme de notre élément, donc ici de notre image. Donc, notre image masque en fait va donc encapsuler notre image dans à l'intérieur de lui en fait. Donc, c'est pour ça qu'on crée un shape layer. Ensuite, on va créer un inset qui va être égal à line width plus 3. Vous verrez pourquoi, je vous explique pourquoi on fait ça dans un instant. Ensuite, on va créer notre inset bound. Inset bound qui va être égal à bound point inset, inset by. Ici, inset et inset. Donc en fait, notre bound, on a vu que c'était notre carré en fait. Et inset by, ça va nous créer un autre carré à partir du carré. Enfin, à partir dans un site direct, à partir de notre site direct bound. Mais ça va le créer en fonction des insets. Donc ça va légèrement décalé en fait, vu que notre bound c'est de 1, donc 1 plus 3, 4, ça va légèrement décaler de 4 pixels vers l'intérieur en fait. Donc un carré, vu qu'on donne des valeurs positives, ça sera un carré, ça sera légèrement inférieur au carré initial, donc de moins 4 à l'intérieur. Ensuite, on va créer un masque. Path, donc un path tout simplement, donc mask path qui va être égal à UI bézier path in oval aussi. Donc ici ce sera notre inset bound. Donc ici on va aussi créer en fait un bézier path mais qui sera légèrement à l'intérieur de notre background
Donc, ce qui fait qu'on aura donc une légère bordure dark gray. Ensuite, on va à notre image masque, à notre masque paf, pardon, non, à notre image. Notre image masque, on va lui assigner un masque, un paf qui sera notre masque paf.cgpaf. Ok. Ensuite, on va à notre image masque fill color. On va lui UI color black. .cgcolor. Donc on le fait juste, mais en fait, étant donné que ce sera notre image, l'image sera par-dessus, donc on ne verra pas le black en fait, la couleur qu'on a c'était. Mais on met cette couleur juste comme ça, au cas où on n'aurait pas d'image, on verrait quand même une image black, noire qui représenterait notre image. Donc ensuite, on va faire image masque. .frame. Donc on va lui assigné comme frame bound, donc ça aura tout simplement les mêmes dimensions que ça aura les mêmes dimensions que notre vue de base, seulement le cercle à l'intérieur sera légèrement décalé de 4 vu qu'on lui a donné on a fait un inset byte là. Donc ensuite, on va faire un background image layer. On va créer notre background image layer. Background image layer qui va être égal à CA shape layer. Ensuite, on va faire background image layer.mask. Va être égal à notre image masque qu'on vient juste de créer, qui est en fait notre image. Ensuite, on va faire donc background image layer.frame qui va être égal à bound. Donc bound tout simplement parce qu'on voudrait que c'est la même taille que notre vue. Ensuite, background image layer.contain gravity. Contain gravity. En fait, Content Gravity, si vous avez déjà manipulé des images classiques avec UIKit, Content Gravity, c'est un peu, c'est l'équivalent de Content Mode, mais avec les Shape Layer. Donc ici, on va lui dire de prendre la totalité de l'espace disponible. Donc on va appliquer comme Content Gravity Resizable Aspect Fill. Donc ça va prendre la totalité de l'espace disponible. Et ça va se resizer. Donc ensuite, on va faire layer.add sublayer background image layer. Donc on va appeler notre fonction layout background image layer. Et ensuite, on va créer notre image. Donc ici, on va tout simplement faire dans Update Layer Properties. On a vu que Update Layer Properties devait être appelé à chaque fois qu'on devait mettre à jour nos propriétés. Donc ici notamment, lorsqu'on va mettre à jour notre image dans l'interface, on voudrait updater les properties de notre layer. Donc on va vérifier si notre background layer égale à si c'est différent de nul, vu qu'ici on veut mettre à jour. Donc si c'est différent de nul, dans ce cas on va faire background layer fill color égale à background layer color point cg color.
Ensuite, on va vérifier pour notre image, vu que c'est notre image qui nous intéresse en réalité. Donc, if background image layer est différent de nul, on va faire aussi si notre image est différent de nul aussi. Donc, background image. Dans ce cas, on va faire notre background image layer point content égale notre image CG image. Donc ici, on va vérifier qu'on a bien un background layer et qu'on a c'était une image. Si on a c'était une image, on va appliquer comme étant le contenu de notre background layer, qu'on a rajouté ici, juste ici. Donc on va vérifier tout ça avec une image. Donc on va aller dans asset. On va rajouter une image. Alors, en faisant contrôle. Option, click drag and drop, on va dupliquer pour mettre en 2x et en 3x, mais enfin normalement vous devez utiliser les tailles pour votre application de production, enfin les bonnes tailles, mais là je vais juste dupliquer pour qu'on ait un bon rendu. Donc on peut vérifier que notre image se rajoute bien en allant dans notre main.storyboard et en rajoutant notre background image, donc background image grâce, ok, il faudrait qu'on appelle notre fonction update layer properties puisque c'est cette fonction qui va être appelée lorsqu'on va mettre à jour notre image dans la vue. Donc est-ce que ça fonctionne? Et oui, ça fonctionne. Donc là on a bien notre image qui s'est rajoutée et qui prend bien tout le contenu. On voit que il y a un léger décalage de 4 pixels autour de notre image, donc on voit que notre live rendering fonctionne bien jusqu'à présent. Donc à présent, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc je vous propose qu'on rajoute des contours à notre image. Donc pour ce faire, on va créer une nouvelle fonction. Fonction qu'on va appeler addBorder. Donc on va rajouter quelques propriétés à notre vue. Donc on va créer un ring layer qui sera un CA shape layer. Ensuite on va créer un IB inspectable var ring thickness qui sera de type CG float. Ensuite on va pour aller vite, on va dupliquer une fois, deux fois. Donc ici ce sera un ring color qui sera UI color blue. Et ici, on aura un ring progress qui sera CG float, donc 0.75 pour l'instant. Donc ici, on aura la
l'épaisseur de notre bordure. Et ici, on aura la progression. Donc, notre bordure, en fait, va progresser tout autour de notre cercle. On va voir ça tout de suite. Donc, on va aller dans la fonction add border. En fait, on va écouter cette variable, donc dite 7. Lorsque on va changer la valeur, enfin la progression de notre bordure, donc on va appeler update layout properties. Donc notre add border. Donc on va faire si if ring. If ring progress égal à 0. Ring layer différent de nul. Dans ce cas, on va faire ring layer point stroke end égal à 0. Donc le fait de mettre stroke end à 0, ça va tout simplement avoir pour effet de ne rien afficher du tout. On va voir tout à l'heure ce à quoi correspond stroke end. Donc ensuite, on va faire si ring layer. Donc ça, c'est le cas où on avait déjà créé notre ring layer et qu'on était à 0. Donc si ring layer est égal à nul, ça veut dire qu'on n'a pas encore créé notre ring layer. On va le faire donc. Parce qu'on va faire ring layer est égal à CA shape layer. Ensuite, on va rajouter notre layer comme sublayer. Donc layer.add sublayer ring layer. Ensuite, on va créer de la même façon un inset qui est égal à ring thickness, donc les bordures justement qu'on a vu tout à l'heure, divisé par 2. Ensuite, on va créer un rectangle qui va être égal à notre bound pour inset by. Ici, on va utiliser notre inset. Ensuite, on va créer un path qui va être égal à UI bezier path. Donc oval in rectangle. Fait rectangle. Ici c'est rectangle. En fait, on va changer. Ok. Donc on va notre ring layer qu'on a créé tout à l'heure. On va lui appliquer un stroke color. Stroke color qui va être égal à ring color point cd color. Donc ring layer point fill color. Donc on va d'abord lui mettre un path qui va être égal donc à notre path point cd path. Ensuite ring layer point fill color égal à nul. Pourquoi on met fill color à nul? Simplement parce qu'on ne voudrait pas que l'intérieur de notre bordure apparaisse, puisque notre bordure en fait c'est un cercle. Étant donné que c'est un cercle et qu'on voudrait juste que les bordures apparaissent, donc là on va mettre la couleur interne à nul. Ensuite on va faire ring layer point line width qui va être égal à ring thickness. Donc ring layer
point stroke start égal à 0. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je vous explique. En gros, stroke start, c'est le point de départ. Étant donné que c'est un triangle trigonométrique, on a notre point de départ à 0. Donc si jamais on avait, donc par défaut, un triangle trigonométrique, l'angle 0 est là. Donc on a 0, 90, 180, etc. sur un triangle trigonométrique. Donc on part de 0 et ensuite on va progressivement augmenter le degré de notre angle. Donc si stroke end et stroke start valent tous les deux 0, on voit bien qu'on n'aura pas de bordure. Mais plus on va incrémenter stroke, plus on va incrémenter stroke, stroke end, plus on aura nos bordures en fait. Donc stroke end, ce sera une valeur comprise entre 0 et 360 degrés. Donc, mais ici, en fait, ce sera comprise entre 0 et 1 pour faire le tour du cercle. Ok. Donc, maintenant qu'on a créé notre ring layer, on va donc faire ring. Notre ring layer.stroke. End est égal à ring progress. Ring progress divisé par 100. Donc, étant donné que c'est qu'on plante 0 et 1 et qu'on parle en pourcentage, donc 100% ce sera 100 divisé par 100 qui sera égal à 1. Donc 100% ce sera la valeur complète et inférieure à 100. On sera en train de faire le tour. Donc ring layer.frame qui va être égal à notre layer par défaut.bound. Donc if percentage j'ai. Donc on va créer donc hard border. On va tester, on va rajouter notre fonction, on va appeler, on va faire un appel à notre fonction add border, donc create circle. Et ensuite, et tout de suite on va voir qu'on aura notre bordure qui sera rajoutée. Donc en sélectionnant notre vue, on a désormais un ring progress. Pour l'instant, on ne voit pas apparaître. Alors, on a bien add border. Ah, c'est normal, on n'a pas rajouté notre layer comme soup layer. Donc ce qu'on va faire tout de suite, donc on va faire layer add sub layer ring layer. Donc on voit bien qu'on est sur un triangle trigonométrique et que chaque fois qu'on va rajouter des valeurs, hop, bon, là on a un problème de rendu, de live rendering, mais grosso modo c'est ça, c'est cette ligne bleue qui apparaît juste là, on voit qu'on a notre ligne bleue qui apparaît. Donc, on va mettre à 0 et on va continuer. Ctrl Shift K pour cleaner le projet. Donc, si j'essaye Editor Refresh All View pour faire disparaître l'erreur en question.
Ah, ok, elle a disparu. Donc elle a disparu, on voit bien qu'on est passé à zéro, notre trait a bien disparu aussi. Donc on va continuer cette vidéo. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Maintenant qu'on a créé notre layer, qu'on l'a rajouté, ce qu'on va faire, ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on va rajouter un texte pour voir effectivement notre live rendering. Donc, on va créer une propriété. On va créer une propriété qu'on va appeler percentage. Non, même pas percentage, on va appeler juste label. Label layer qui est égal à si et texte layer. Ensuite, on va faire IB inspectable var. Label bool qui va être égal par défaut à true. Donc par défaut on veut afficher notre label et chaque fois qu'on va changer cette propriété, donc dit set, on va update layout properties. Donc, on va créer, donc on va faire si notre label layer égale à nul, on va le créer. Donc, label layer est égal à si text layer. Ensuite, on va faire un layer pour add sublayer notre label layer. Ensuite, on va faire notre label layer font qui va être égal à UI font. On va prendre name et size. Comme name, on va prendre Helvetica. Light. Ensuite notre label layer, on va lui donner une taille cigarette, composition on va mettre 0,0 comme taille. Donc comme taille on va définir une variable pour la taille de notre label. Donc on va créer une variable inspectable, donc IB inspectable var label position qui va être donc CG float. Par défaut on aura une position de 100 et chaque fois qu'on va mettre à jour
notre position, on va vouloir updater, update layer properties. Ensuite, on aura une autre variable IB inspectable qui sera label color, donc qui sera de type UI color. Par défaut, on aura une couleur blanche, donc UI color.white. Et chaque fois qu'on va mettre à jour cette variable, on va vouloir updater nos properties. Donc on en était là. Donc comme 8, comme largeur en fait de notre texte, on va prendre bound, donc bound.size.8, donc sera la même largeur. Ensuite on va prendre notre label position pour la hauteur. Donc ça aura pour effet en fait d'augmenter la taille du label. Du coup ça va le descendre, le texte va se mettre automatiquement sur la partie basse du label. Non, cette technique en fait, ça me paraît bizarre. Je pense qu'on va utiliser plutôt la taille. On va utiliser la taille du font en fait, la taille de la police. Et comme ça, on n'aura pas une espèce de gros décalage. Donc, on va prendre notre label layer font. Et ici, on aura font size plus 10. Ensuite, on va faire notre label layer point position qui va être égal à cd point. Donc, on va le mettre comme position. On va le mettre bound.midx. Donc ça va se mettre au milieu en x sur l'axe des x. Et ici on va prendre notre label position. Ok, donc on pourra le bouger comme ça. C'est une meilleure technique. Donc ensuite label layer.string qui va être égal. Donc un texte. Donc ce texte là, comment est-ce qu'on va l'obtenir? On va créer une variable IB inspectable juste là. IB inspectable va texte qui va être de type string. Et donc quand on va mettre à jour ce texte, on va vouloir updater nos properties. Donc notre texte, on aura une valeur par défaut de Hello World. Donc ici on aura tout simplement comme string notre texte. Ensuite on aura label layer alignment mode. Donc on va aligner le texte au centre. Center, label layer
foreground color, donc qui va être tout simplement un label color. Label color.cdColor. Et ensuite, on aura le content scale, scale pour terminer, donc label layer.content scale qui va être égal à UI screen. UI screen.main. Scale, donc ça va se scaler en fonction de l'écran, tout simplement en fonction des proportions de l'écran. Donc là, si on voit que le label apparaît bien, on a bien notre texte Hello World qui apparaît. Donc si on sélectionne notre vue, encore une fois, on voit que désormais on a texte qui apparaît là. Si on change de texte et qu'on prend par exemple, on met n'importe quoi, bonjour. Donc on va automatiquement, on a le texte bonjour qui apparaît. Et on va tester à nouveau notre progression. Donc c'est Ring Progress. Hop, 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 hop. Donc on voit la petite ligne bleue qui progresse. Je ne sais pas si c'est le zoom tout à l'heure qui a. Donc on voit la ligne bleue. Donc on va augmenter légèrement la taille de notre ligne. Donc on avait Ring Thickness. Donc, qui était de 2, donc là on va mettre de à 15, ça aura pour effet d'augmenter la taille de notre ligne. Donc là il est en train de compiler, hop, on voit tout de suite qu'on a une plus grosse ligne. Donc si on sélectionne la vue et que on zoome un peu en arrière, on va augmenter, on voit que hop 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 hop. Donc, on a des problèmes de rendu là. On a à nouveau des problèmes de rendu. Donc, on va sélectionner la vue. Editor. Refresh all. Donc, on voit que la progression s'est bien faite. On va voir que tout ce qu'on a fait jusqu'ici, on va refaire la même chose. Enfin, pas tout, mais on va essayer de refaire la même chose avec Swift UI. Donc, on va fermer ce projet. Single View Application, Next. Donc, on va appeler aussi Live Rendering Swift UI. Donc on va rassurez-vous que la case Use Swift UI est bien cochée. Ou si la case est bien cochée, Next. Et sur le desktop, Create. Donc tout de suite, on voit que par défaut, on a un Content View qui nous est créé avec un texte Hello World. Donc si on fait résume. On va voir apparaître normalement dans un iPhone 8, étant donné que là tout de suite l'iPhone qui est sélectionné c'est un iPhone 8. Donc voyons voir ce qu'on a comme device. Build success. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. On a bien un iPhone 8. Ouais, ce qui est bien avec Swift UI, c'est que en sélectionnant iPhone XR, automatiquement, le live preview va nous mettre un iPhone XR. Donc, on a la possibilité d'avoir nos previews dans différents devices. Et on voit que on a sélectionné notre texte, donc on peut changer le texte Hello World en Bonjour. Le monde, on voit que ça se change automatiquement. On peut aussi le faire directement. Hop. Alors, est-ce qu'on peut pas? C'est bizarre. Je pensais qu'on pourrait même l'éditer directement depuis là, mais faut croire que non. Donc, est-ce qu'on peut l'éditer depuis ici? Oui, on peut. Donc, ici, on peut aussi changer.
Bonjour à tous. Donc, ça se met à jour automatiquement. Et ça se met à jour aussi dans le code. Donc, on voit que on a vu pour notre live rendering. Et super content de tester cette nouvelle fonctionnalité. Donc, ensuite, on va créer un nouveau fichier commande N. On va choisir cette fois-ci Swift UI. On va appeler Circle Image Create. Donc, on voit que par défaut, notre Circle Image vient aussi avec un texte Hello World. Donc, on va remplacer le texte Hello World par une image. Donc, notre image, c'est grâce, l'image qu'on a rajoutée tout à l'heure, qu'on n'a pas encore rajoutée, c'était dans l'autre projet. L'image que je vais rajouter tout de suite. Bulle success. Ok. On a notre simulateur et on a bien notre image. C'est magnifique. Ça marche. Donc ensuite on va rajouter des propriétés. Donc ici ce sera notamment clip shape. Ici ce sera circle. Ok, donc on a notre image dans un cercle. Vous voyez que tout ce qu'on a pu faire avec UIKit qui nous a pris beaucoup de lignes là, en 3 lignes de code, on a déjà notre image dans un cercle. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Donc on peut rajouter des bordures avec la propriété overlay. Donc non, on va faire stroke scroke. Donc, stroke, color et style. Donc ici on va faire color point dark. Gray. Et ici on va faire on va rajouter une largeur, la largeur, donc ici 4, et automatiquement on voit nos bordures, notre bordure qui s'est rajoutée. Je crois qu'on peut même rajouter un padding. Donc ici on peut rajouter un padding comme ça, hop. Mais du coup ça va faire un padding margin. Ah, on peut pas rajouter un. Ok, donc on va le faire tout à l'heure. Tout à l'heure, on va rajouter notre padding. Pour l'instant, c'est très bien comme ça.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la couleur en white, donc ce sera plus visible, ce sera du blanc sur du blanc. Et on va rajouter un shadow radius de 10. Et là tout de suite, on va voir notre bordure s'afficher. Ok, donc on voit que le live rendering de Swift UI nous facilite grandement la vie, quoi. Et ensuite, notre vue, on peut l'utiliser là. Donc, au lieu de rendre le texte bonjour à tous, on va rendre un circle image et l'étoile jouée. C'est vraiment puissant, puissant framework. Merci de m'avoir regardé.